bienvenue sur ma chaîne. Alors, je suis content de vous retrouver et je suis très content de tous les commentaires que vous m'avez laissés sous ma dernière vidéo parce que c'est évidemment très sympa, ça permet de discuter, d'interagir entre vous. Et c'est vraiment ce qui me motive le plus évidemment à faire des vidéos parce que sinon je resterais devant le canapé à regarder des séries TV. Et puis, ça me permet de vous occuper un petit peu, de vous faire un peu oublier ce confinement. Aujourd'hui, on va parler d'un couteau que j'ai depuis pas mal de temps, c'est le M-Custam. Alors, c'est assez drôle parce qu'il n'y a pas tant de revues que ça, en tout cas, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment de ces couteaux parce que ce sont des couteaux qui sont d'une extrême qualité. C'est sûr que ce n'est pas des couteaux pour toutes les bourses, je dirais, mais ça peut être intéressant de voir ça parce que si on a envie de se payer un beau couteau, là on est sur le modèle qui est le plus basique, je dirais, de la gamme, en sachant qu'on est quand même sur de l'acier VG10, on est sur un manche en cocobolo, vous allez voir de près tout à l'heure, mais la qualité, elle est vraiment redoutable, c'est vraiment le terme qui convient le plus à ce couteau là et là on est sur un couteau qui coûte quand même une centaine d'euros. Donc certes c'est une somme pour un couteau pliant, mais si on a vraiment envie de se faire plaisir, qu'on veut un couteau qui est pas géré comme les autres parce qu'il a quand même un look particulier, un esprit particulier, et bien ça peut être vraiment une solution. Je vous montre juste, vous avez vu le packaging, une petite boîte en bois mais qui a un peu son revêtement un petit peu comme un simili cuir, donc ça c'est assez sympa. Et puis c'est livré avec une petite pochette en cordura qui peut se porter de deux façons possibles, avec ici une petite partie en cuir avec le nom de la marque, donc qui permet évidemment de ranger son couteau à l'intérieur. J'aurais honnêtement préféré un petit étui en cuir, mais bon, on peut très bien le porter comme ça, absence de clip, hein, vous l'avez vu. Mais on va tout de suite voir d'un peu plus près ce petit bijou. Voilà le petit bijou, je vous le montre de près. Déjà ici, on peut admirer le manche en cocobolo avec le travail qui est fait dessus. Donc on va voir ici les empreintes qui s'ajustent parfaitement dans la main. Le pivot ici à vis. Alors ça, je trouve ça assez sympa parce que je trouve que ça marche bien au niveau du look et puis c'est évidemment pratique. Là, on va avoir des petites vis type Torx. Honnêtement, on n'aura même pas à toucher parce que construction ouverte, donc c'est assez facile de nettoyer. La lame, la marque M-Custa VG10 pour l'acier. C'est qui la ville de fabrication au Japon. Je vous parle tout de suite de sa prise en main parce qu'elle est juste hyper naturel. Généralement quand on a des empreintes comme ça sur les poignets, ça tombe généralement pas hyper bien, je trouve, et là c'est juste parfait. On a vraiment les doigts qui viennent se caler parfaitement à l'intérieur. Ici cette petite bosse, elle va venir se caler là, ça fait qu'on a le couteau extrêmement bien en main. On est vraiment sur quelque chose de très doux et c'est hyper agréable à tenir, que ce soit aussi dans cette position là avec cette petite garde ici et puis ce renfoncement là, ça permet de tenir ici le couteau un peu de manière couteau d'office quand on va venir travailler ici, quand on va vouloir se couper un bout de saucisson, etc. Ça fonctionne extrêmement bien. Alors sa ligne en général, elle est particulière évidemment, on est sur un look qui est, je dirais, presque tactique, hein, mais on est quand même dans un esprit vraiment japonais et je trouve que c'est bien réussi, même si on n'a pas vraiment un équilibre, je dirais, entre ici le manche qui a l'air un peu plus massif et ici la lame, qu'on peut le voir ici peut-être de ce côté un peu plus. Je le trouve vraiment sobre, c'est ça qui me plaît dans ce couteau. On a vraiment, même s'il est beaucoup travaillé, on est sur quelque chose qui est assez simple et qui finalement fonctionne parfaitement. Évidemment, VG10 extrêmement tranchant. Donc là, évidemment, il faut faire encore plus gaffe. Merci d'ailleurs pour ceux qui sont inquiétés, mais vous voyez, c'était vraiment rien. C'était rien du tout. Ouverture, on peut l'ouvrir de manière vraiment classique. Alors là, gaucher ou droitier, hein, mis à part le système de fermeture, ce sera gênant, mais là, on peut très bien le faire de la main gauche. On peut, si on desserre un petit peu, moi je l'avais resserré, faire une ouverture un peu plus dynamique. Vous voyez, là je l'ai vraiment trop serré. Mais je l'ai serré justement pour pas
me faire avoir quand je replie le couteau. Et je vais vous faire écouter simplement ce bruit qui va tout de suite vous faire comprendre l'ajustement du couteau. C'est vraiment la première sensation qu'on a quand on prend ce couteau en main, la qualité. La qualité de fabrication, la qualité d'ajustage, c'est vraiment pile poil. C'est vraiment fantastique. Quand on l'a en main, on a vraiment du mal à le reposer. C'est vraiment souvent ce qui ressort dans les commentaires parce qu'on a envie de l'ouvrir, de le fermer. C'est tellement souple, tellement agréable. Et je vous dis, cette souplesse, on la retrouve ici dans cette prise en main. On a quelque chose de vraiment extrêmement doux. Il n'y a aucun point qui est douloureux. Cette lame ici, grande partie plate, ça va remonter ici. On est quand même sur une lame qui est relativement épaisse. Elle doit faire au moins 3 mm. Avec ici le faux contre-tranchant qui lui donne quand même ce petit look évidemment un peu agressif avec cette pointe vraiment acérée qui est centrée sur le couteau. Je vous montre d'un peu plus près. Alors effectivement, un prix assez élevé. Je dirais que c'est le prix de la qualité. Et puis, voilà, encore une fois, c'est un look qui est un petit peu entre les deux. On est sur le presque un côté tactique. Alors il y a beaucoup de modèles qui existent. Il existe d'ailleurs aussi des lames en damas. Il existe des lames avec d'autres finitions qui me plaisent un peu moins, qui sont généralement un petit peu comme des manches de sabre japonais. Et moi, ce que j'aime sur ce modèle là en particulier, donc le modèle je dirais le plus basique de la gamme, bah, c'est ce côté hyper sobre, simplement avec ce bois exotique ici, qui certainement aura des effets différents suivant lequel vous allez choisir. C'est pour ça que ce genre de couteau, ça serait intéressant de pouvoir l'acheter en coutellerie, en armurerie, pour pouvoir l'avoir en main. Mais dites-vous une chose, c'est que si vous le prenez en main, si vous commencez à vous amuser à l'ouvrir et à le fermer et à comprendre et à ressentir cette sensation, vous aurez beaucoup de mal à le rendre. Et à mon avis, vous allez repartir avec. Alors je l'ai déjà un petit peu affûté, mais à peine, parce que le tranchant il tient extrêmement longtemps. Et puis voilà, encore une fois, là c'était vraiment pour un usage alimentaire. Si je vais par exemple au restaurant, c'est le genre de couteau que je peux très bien emmener avec moi. Il n'y a pas de clip, il va aller dans sa pochette ou au fond de ma poche ou dans le sac. Et voilà, c'est quelque chose qui reste assez discret, assez élégant pour pouvoir l'emporter un petit peu partout. Donc voilà, dites-moi évidemment dans les commentaires ce que vous pensez de ce couteau. Je ne vous fais pas spécialement de test de coupe. Hein. Vous imaginez bien que ça coupe extrêmement, extrêmement bien. Surtout que j'ai pas de saucisson ici sous la main parce que c'est l'essai que j'aurais pu faire. En tout cas, j'ai même fait des préparations de nourriture avec et on est sur quelque chose qui est très fin. Autant là, c'est épais, mais là, les moutures qui remontent quand même assez haut fait qu'on est quand même sur un tranchant assez fin ici. Et puis, ça permet vraiment d'avoir des coupes extrêmement nettes et faciles. On n'a pas de résistance à cause de l'épaisseur, je dirais, de la matière. Voilà pour ce petit M-Custa. Vous voyez, j'ai vraiment du mal à le reposer. Allez, je vous embrasse tous. Restez bien chez vous, évidemment. Je fais le maximum pour vous faire un max de vidéos et pour vous faire patienter encore au moins une quinzaine de jours avant de retrouver la liberté. Je vous dis à très bientôt. C'était Chris R. Jones. Bye bye.